toi tu pourras. Voilà, nous avons Sylvie avec nous, une question. Oui, bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie, on vous écoute. Sylvie. Allô, Sylvie. Ah, elle est partie. Elle est partie. Désolé. Désolé. Voilà, Sylvie, elle est partie. Elle peut revenir. Vous écoutez votre radio sur 95 Do FM, mes chers amis. Alors, vous savez, il y avait aussi Festival de Cannes. Festival de Cannes qui vient de prendre fin ce soir. Ça, vous êtes au courant déjà? Ouais, vous êtes déjà au courant. Surtout, comme vous savez, Festival de Cannes, c'est lié au ministère des Affaires étrangères français. Ce que pour la plupart des gens ne savent pas, c'est-à-dire en même temps, c'est une affaire culturo-politique. Et certains pays, pour aider, acheter des stands au Festival de Cannes, présenter, subventionner, je ne sais pas quoi. Ça, c'est autre chose. Vous allez faire vos enquêtes savoir plein de choses à ce sujet. Mais je ne sais pas si vous savez ou non, chaque année, la République islamique d'Iran est présente là-bas et quoi? Et il obtient chaque année également des prix. Cette année, Madame Zahra Amir Ebrahimi, une actrice voilée iranienne, qu'elle est devenue les stars du festival de Cannes, et il a obtenu le palme de meilleure actrice de cette année. Comme vous le savez, depuis des années, l'Iran est sous l'embargo, la République islamique c'est ça, mais il est toujours présent à Oscar, cinéma iranien, au Festival de Cannes. Mais par contre, si quelqu'un va ramener 5000 euros de l'Iran ici pour le dépenser, il n'a pas le droit, parce qu'il est sous l'embargo. Il n'a pas le droit de... et énormément de choses comme ça que vous ne savez pas. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que les Iraniens, ils sont forts dans le monde, surtout en France. Il y a énormément de médecins, pharmaciens, avocats, chirurgiens, même jusqu'au palais d'Élysée, le conseiller du président Macron. Il y avait un médecin renommé iranien à l'époque de Covid. Et dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, les Iraniens, ils sont bien placés. Je ne sais pas si vous savez ou non, par exemple, le président du Parlement de Norvège, le président du Parlement de Norvège, deuxième personnalité après le roi. Deuxième personnalité, c'est un Iranien, un jeune garçon, il s'appelle Masoud Qarahi. Il est président du Parlement de Norvège, avec son nom iranien. Après, en Suède, vous avez deux ministres iraniens, Ardalan Shekarabi, il était ministre de solidarité sociale, soi-disant, et M. Andersson, le nouveau premier ministre, il y a déjà quelques temps, il l'a gardé dans son poste. Et deuxième personne, c'est Khashayar Farmanbar. Khashayar Farmanbar, un Iranien, il est ministre d'énergie et je ne sais pas de quoi, de Norvège. La même chose vous avez dans le monde entier, au Canada,
en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est-à-dire, l'Iran, depuis 43 ans, il est à la main des ayatollahs, l'embargo sur l'embargo. Vous savez qu'avec chaque embargo, les Américains, ils gagnent plusieurs milliards de dollars. Quand on dit qu'il est sous l'embargo, vous ne pouvez pas faire de commerce. Et si vous faites de commerce, on va vous punir des amendes et 7 billets de dollars que vous devez les payer. En même temps, quand on fait l'embargo contre quelqu'un ou un mouvement ou une société, soi-disant iranienne ou d'autres, on fait saisie de la totalité de réserves qu'il est en dehors de son pays, qu'il soit l'armée, c'est pas Pastaran, les personnalités qui tous sont des voleurs, enfin, en Iran, mais ils vont confisquer la totalité de biens qui peut arriver à plusieurs milliards de dollars chaque année. Ça, vous le savez bien, non? Moi, je crois pas que vous saviez ça. C'est ça, l'embargo. Voilà, c'est-à-dire, on prend l'argent. Après, on ne le donne pas au peuple iranien, parce qu'actuellement, comme vous savez, tous les peuples dans des pays, soi-disant tiers-monde, ils ont des problèmes économiques. Même en Iran, il y a toujours des manifestations qui n'en parlent pas à cause de pauvreté, parce que ce n'est pas comme ici que l'augmentation, c'était de 5-7-2%, là-bas, de 300-500%. Actuellement, les gens ne peuvent plus acheter du pain. Même pas le pain, on ne peut plus l'acheter. Alors imaginez-vous après des poulets et d'autres choses. Alors quand on fait saisir de plusieurs milliards de dollars chaque mois de l'argent iranien, il faut le dépenser et donner au peuple iranien qui n'ont rien à manger. Mais il n'y a pas de ça, non. C'est pas ça. Saisir l'argent, c'est l'argent. Pour ça, le nouveau monde, c'est l'argent. Quel argent? L'argent. Et vous savez qu'il y a des chanteurs, chanteuses, il y a des comédiens, des artistes iraniens aussi en France. En France, par exemple, Kian, il fait des one-man show, c'est un iranien. Beaucoup d'autres personnalités iraniennes, comme cette personne-là que vous allez l'écouter, mes chers amis. La fille, c'est un iranien. La ville de Paris, déjà, c'est la ville où je suis né et où je vis aujourd'hui. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de moments forts et importants de ma vie à Paris. J'aime Paris pour sa diversité. J'aime Paris parce qu'elle est avant-gardiste. J'aime Paris parce qu'elle est romantique. J'aime Paris parce que c'est un emblème. C'est une ville magique. Paris m'inspire. Et si je devais géolocaliser, la plupart de mes chansons ont été écrites à Paris. Donc forcément, je crois que ça m'inspire pas mal. Ouais. Le C, c'est une chanson que j'ai écrite inspirée par une histoire vraie. Une personne que j'ai vue progressivement mourir, quoi. Que j'ai vue progressivement pendant de longs mois s'affaiblir et qui a malheureusement été touchée par le cancer. Dans mon entourage proche, on n'aime pas donner le nom de cette maladie parce qu'il nous effraie. Et puis je trouvais que c'était pas musical. Mais je voulais quand même en parler. Donc on a appelé la chanson Le C. Et c'est une chanson que j'ai jamais mise en avant, parce que je trouvais pas le contexte et le cadre, et même en tournée, c'est un peu difficile pour moi, de dans un concert où je fais danser et sauter tout le monde, d'apporter ce genre-là d'émotion. Mais je sais pas pourquoi, aujourd'hui, quand il s'agissait de trouver un titre supplémentaire à faire, qui n'est pas le single connu, voilà, c'est Chloé pour Moradi, cette fille-là, d'origine iranienne. Je vais trouver pour vous, en attendant que vous allez nous appeler. Je vous invite à l'écouter, mes chers amis.